Je me demandais si tu avais vu la vidéo de Zio a fait sur toi et mon message a aussitôt disparu. Ah oui, parce que je voulais pas. Je voulais pas. Enfin, on était en train de parler de Mandax et tout, je voulais pas que ça pollue. Je l'ai vu, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu, je sais même pas pourquoi je l'ai regardé, parce que c'est encore des mensonges, de la déformation et tout. Et c'est le problème, c'est comme Chisel. Tu peux t'arrêter toutes les virgules et pour tout recontextualiser et fais que ça au bout d'un moment. C'est exactement comme Mandax actuellement. Ils sont tellement dans une spirale de mensonges qu'ils ne peuvent plus dire la vérité. Et comme ils sont couilles et pieds et mains croisées avec les autres, et que si ils remarchent de manière à l'endroit, t'as les autres qui vont leur tirer la veste. Ils ne peuvent plus. Donc c'est ça. Eh, au fait, psycho, quand tu veux pas faire quelque chose, bah le fais pas alors. Fallait pas regarder ma vidéo, et encore moins me répondre si tu veux pas savoir ce qui va se passer après, parce que là, t'as fait le con, hein! T'as vraiment fait le con, frérot! Mais c'est pas grave, et tu sais quoi, je te pardonne quand même. Mais, je suis obligé de rectifier, parce que tu dis trop de conneries, et comme je te l'ai dit, hein, c'est soit tu dis des bêtises et on te corrige, soit tu fermes ta gueule! C'est peut-être la meilleure option des fois, tu vois, t'aurais mieux fait de t'écouter, tu vois, t'as eu un pressentiment! Faudrait pas que j'en parle! Oh, bah, eh ben, t'aurais dû. À me demander un retour sur le retour qu'a fait Zioclo sur ma vidéo. Et il y a deux, trois petites bricoles à rajouter. Salut les yeux Claudie, j'espère que vous allez bien. Je suis de très bonne humeur moi. Alors du coup, une nouvelle vidéo va sortir. Je suis obligé du coup de faire cette vidéo pour teaser hein, la vidéo qui est importante. Une future vidéo. Oui, je sais, ça fait beaucoup de vidéos là dès le début d'introduction, mais c'est pas grave. Une autre vidéo va sortir sur moi de psychodélique. Bon, c'est étonnant. Je vous invite à aller voir la chaîne de Captain Ursaf qui me l'a partagé, qui l'a mis sur sa propre chaîne. Alors bien entendu, je ne vous incite pas à voler cette vidéo, on s'en fout. Mais j'y ai répondu. Oui, j'y ai répondu parce que psychodélique réitère. Alors, il ne parle plus de ma femme, il a oublié ce sujet. Et tant mieux, moi c'est ce que je lui demande de faire. Par contre, vu que t'as l'air de vouloir jouer un petit peu, le Kraken, j'ai décidé de le craquer un petit peu, tu vois. Le Ratel, on va lui craquer les jambes, tu vois. Et de fait, là, c'est ce qu'on va faire. On va casser un peu, couper l'herbe sous le pied. Donc les papates, là, oh, on va tomber d'un coup pour une bonne et simple raison, c'est qu'on va prouver que tu mens. Oui. Et là, on va vraiment prouver que tu mens. On va montrer que tu mens sur les messages vis-à-vis de Fouvelier, de ce que j'aurais divulgué, misandrie, isole, machin, tout ça, matin, couffin. Et on va démontrer à quel point tu es un menteur, vil, et que tu manipules ton public. Oui, parce que ton public, je pense qu'il est beaucoup plus intelligent que toi, mais il n'a pas le temps de tout vérifier. Et puis quand tu écoutes une vidéo comme ça sur le côté, tu peux pas vérifier tout ce qui se passe. Tu vois pas s'il y a des cuts. T'inquiète, moi je les vois les cuts. Et j'ai tout souligné de ce qui me paraissait relativement très important, puisque tu les as soulignés. On va rigoler un petit peu, tu m'accuses de te menacer, de vouloir te taper, je ne sais quoi, tu refais ton charabia comme avec Dany et Raciel, etc. T'inquiète, t'inquiète, on va bien prouver que t'es un gros mytho, et on va montrer pourquoi tu mens en partie, hein. Je pense savoir pourquoi, je pense que t'es vexé, je pense que tu l'as mal pris, que je te lâche, mais de fait, c'est pas pour rien que je te lâche, parce que je voyais à peu près ce que tu faisais aux autres, mais comme c'était pas moi qui le disais, je pouvais pas voir toutes les manipulations, il y a que les gens qui peuvent savoir à quel point tu as manipulé ou non un propos. Sauf que là, t'as fait le con, t'as utilisé mes lives, tu utilises des trucs que j'ai dit des fois, et du coup, je peux prouver que tu mens. Oui, et je vais le prouver, vraiment, là. C'est finito. C'est finito. Donc le public de Psychodélique, vous savez où venir tout à l'heure. Vous likez, clochez cette vidéo, vous la claquez. Et comme ça, vous la verrez la suivante qui va suivre. Je vous le dis les copains, c'est finito. Hein. Finito pipo. Psycho. Là, j'ai décidé de te rectifier définitivement. Je te fais une maxella. Et en plus de ça, il y a de l'humour. Je te le dis, mon petit bif. On va s'occuper de toi. On va se faire notre bif aussi. Et ça va bien se passer. T'inquiète pas. Tu pensais pas que je dirais ces choses-là. Mais si, si. Si, je te le dis. Fallait pas chercher là, parce que là, t'as mis le doigt où fallait pas. C'est con, hein? T'as touché à ma femme une fois, moi, soi-disant celle qui me touche, elle a le droit, toi non. Et au-delà de ça, toutes tes accusations là, on va tout remettre en ligne, on va tout expliquer, et j'ai bien tout expliqué aussi à ton public, parce que c'est ton public qui pose des questions et ils ont raison. Ton public est légitime de se poser des questions et toi, tu ne veux pas y répondre. C'est pour ça que je vais y répondre moi. Moi, je vais prendre le temps d'y répondre, chose que tu ne veux pas faire, mon petit psychodélique, et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi, mais peut-être que la réponse est dans la vidéo qui va suivre. Il y a de fortes chances. Merci, la Zuclodie.
Et Psycho, maintenant, il ne restera que deux solutions. Soit tu viens débattre, soit tu m'invites à débattre avec toi pour que je t'explose publiquement, parce que bah, ma vidéo fera son petit buzz, mais si je t'explose publiquement, ce sera encore mieux. Ou soit on arrête de parler chacun l'un de l'autre. Hein. C'est possible aussi. Mais si tu mens encore une fois sur moi, parce que bon, tu peux mentir sur les autres, tu vois, c'est pas moi que ça concerne. Donc effectivement, je vais moins me pencher dessus. Dès que ça me concerne, je suis un égocentrique égoïste. Donc de fait, je vais m'occuper de ton cas, ce qui est logique, tu vois. Ah, je suis désolé, frère. Et tu vois, psychodélique, tu sais en plus que je suis quelqu'un de bienveillant, que quand je suis énervé contre quelqu'un, je peux être très vénère, et que heureusement, je ne suis pas rancunier. Toi, par contre, t'as gardé tellement de rancœur. Tu sais, ça fait longtemps que tu voulais sortir toutes tes conneries. Hein. Ça fait très longtemps. Je sais, je t'ai déjà vu dans tes lives, je vais dire des bêtises. Maintenant, regarde nos lives, fais-toi plaisir, kiffe. Mais je t'invite à soit venir débattre, et si tu n'en as pas la force, tais-toi. Tais-toi, je te le dis poliment, tu vois, tais-toi. Allez, bonne journée à tous. Et on se retrouve pour la vidéo debunk. Je vous garantis, hein, je vous tisse comme Dieu Maxella avec Pirorca, mais c'est pas la même chose, heureusement, hein, psychodélique n'est pas un prédateur. Quoique, peut-être pour des victimes un petit peu fragiles, tu vois, qui sont sur Internet, mais pas un prédateur sexuel, comme vous doutez bien. Par contre, c'est un menteur. Et ça, je vous le prouve. Voilà, ce sera prouvé. Et je le tisse tellement que je peux pas me louper. D'accord? Bah, j'imagine que tu me défonceras après. J'ai aucun doute là-dessus. Bisous. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou.